il ne faut pas de naïveté, c'est ce que notre Union européenne, je m'en félicite, actant cette démarche de souveraineté européenne que j'ai défendue il y a 5 ans, bâtit des instruments de défense commerciale qui sont nécessaires à notre crédibilité, mais doit aussi s'engager avec volontarisme pour continuer d'avoir une relation commerciale avec la Chine. Et donc il nous faut en quelque sorte dérisquer nos économies, ne jamais dépendre totalement. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que la Chine veut pour elle-même quand elle regarde l'Europe et les États-Unis. Mais il ne faut pas nous désassocier et nous séparer dans une logique qui, en quelque sorte, miserait à penser que nous avons vocation à terme à ne plus rien faire ensemble. La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international que nous connaissons depuis 1945. Et cette guerre, plusieurs reprises j'ai qualifié d'impérialiste, de coloniale, est venue en effet fouler aux pieds nombre des principes de la Charte des Nations Unies que deux membres permanents du Conseil de sécurité que nous sommes doivent résolument défendre. Alors, la Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmé ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. La Chine a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies. L'intégrité territoriale, la souveraineté des nations en font partie. Je crois que les défendre, c'est aussi cheminer ensemble et essayer de trouver un chemin de paix. Et la Chine, justement, a proposé un plan de paix.
nous l'avons salué, est-ce que nous nous y retrouvons dans son intégralité? Non. Néanmoins, il a un intérêt, il montre une volonté de s'engager sur la résolution du conflit. Et donc, s'il ne s'agit pas d'un plan de paix, il s'agit bien d'une volonté d'avoir une responsabilité, d'essayer de bâtir un chemin vers la paix et, je l'espère, de pouvoir participer à des initiatives utiles à la population ukrainienne.